Et bonjour à tous, c'est Tony John 117 pour la suite de The Last of Us partie 2. On s'était laissé avec Abby. Donc maintenant on contrôle bien Abby. Hein. On avait vu le flashback aussi avec son père qui est du coup le médecin qui faisait les vaccins que Joël a tué. Donc c'est pour ça qu'elle s'est vengée. Donc on comprend mieux sa détermination. Mais est-ce qu'on est pour autant plus team Abby ou team Ellie? Et là, je dois aller où? Non. Je comprends pas bien où je me m'emmenais. Ah, là-bas. C'est parti. Ah oui, ça, je prends. Monte par là. Après, tu passes où? Là. Ah, c'est bizarre leur chemin là. Oh! Ah oui, ça, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Santé améliorée. Ouais, bah, on y fait, hein. Allez, go. Après, ça sera le mode d'écoute. Mode écoute netteté. Ah, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Encore ça? Est-ce qu'on n'économise pas pour ça? On va rien prendre pour l'instant. Et après, je vais où? Faut sauter? Pas très clair leur chemin. Hein. On va essayer de sauter là-bas. Ouf. Tiens bon. Merci Alice. Faut se barrer, je crois. Aïe, aïe. Aïe. Eh merde, que c'est ma hache. Évidemment. Oh putain. Carrément, ton main puant. Eh oui, ça commence bien. Eh oui. Merde. Ouais, vache. Ouais. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. C'est une planque de merde. On y va. On a pris cher là. On va se soigner tout de suite. Hop là. Ça c'est chaud. Hein. Ah. Prends ça. Voilà. Et du coup, on va où alors? Allez, on va fouiller un peu. Parce que là, on est passé de l'autre côté du hangar, c'est ça? C'est la même chose, ça? Ah oui. Je prends la même arme, moi. Tout compris, hein. Ouais, c'est un espèce d'hangar, ici. Ah, la suite doit être là-bas. Allez, s'il n'y a pas autre chose... Munitions, ça serait bien parce qu'on a utilisé pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Bon, allez, on va voir la suite. Hein.
Peut-être là. Même pas. Après, c'est le début avec Abby, donc je pense pas qu'ils vont donner beaucoup de choses. Y a rien du tout. Tête derrière. Même pas. Bon, là, on se casse. La sortie est là. Manu. Je suis là. C'est parti, on pousse. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me payes bien, toi. Ok. Ah, c'est sympa ici. Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme. Ça marche. Ah. Ah, quelques trucs. Ah, quelque chose là. Voilà. Si je voulais être discret, c'est raté. Là, y a rien. Ah. Ah, mais encore des pièces? Je crois qu'on les a tous prises. Une autre? Ouais. Eh, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Massachusetts. Peut-être plus tard. T'as ta lumière. Ok. Ouais, comme j'ai eu le trophée des 5 pièces, je crois que je les avais toutes, mais non. Il y en a plus que ça, en fait. Ah ah. Est-ce qu'on va refaire toute l'aventure du côté d'Abby? Ça, je sais pas. En tout cas, ça a l'air bien parti pour, on dirait. Hop, 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 hop. Hein? Parfait. Des explosifs. Vous avez pas des balles? Ok. Je pense qu'on a tout pris. C'est quoi ça? Parfait. Là, y a rien. Par où on passe? Par là? Apparemment, oui. La base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Ils se cachent. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les Scars? Je peux faire le silencieux. Trop de soins, attention, on n'a pas beaucoup, hein. Attends, enlève-le. Pour l'instant, besoin. Ah. Bah alors, j'ai fait triangle. Ok, il a pas voulu. J'ai appuyé légèrement trop tard. Bon, y a rien. Dans le camion, il y a quoi? Je voudrais pas porter la poisse, mais c'est vachement calme ici.
Surveillez bien les environs. Trop calme. Bon, pour une fois qu'on n'est pas plein. Pour ça que je fouille bien là. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur. Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non, je suis juste énervé. Pas trop le choix, hein. Ah, c'est fermé? Merde. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Ouf. D'accord, tu veux passer par là-haut. Là-haut. Faut que quelqu'un m'aide, non? Manny, va voir en haut. Ah, j'y ok. Vais. Avec ses gros bras, là. Il peut porter qui elle veut. Allez, Manny. Câble coincé, on dirait. C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Ça, c'est du costaud. Moi, j'y arriverai pas. Hein. Alors ? Sincèrement. Toujours pas de Scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu le crois drôle ? Non. Juste optimiste. Bon, y'a rien sur le toit. Putain. Juste. Ouais, c'est clair. T'es sûr que tu veux y aller ? À moins qu'il faut peut-être utiliser la corde plutôt. Hein, soyons pas cons. Voilà. C'est parti. Personne. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. C'est bon, c'est bon. Ça va faire un boucan, ça. Pêche-toi pas surtout. De rien. Par ici. Oh joli. Ils en donnent beaucoup des pilules. Yes. Oh. Bon, c'est pas mal tout ça. Hop, 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 hop. Ah, ça se voit pas forcément. Hein. Pas fouillé là-dedans. On peut pas faire quelque chose. Non, 27 pilules sur 40. Ok. Ils sont passés où? Ah, ok. On récupère beaucoup de pièges, je trouve. On peut monter là aussi. Oula, mais c'est grand, là. C'est trop grand pour moi. C'est quoi ce truc? Oh, un bateau. Pas sûr qu'il flotte, celui-là. Hop, je prends ça, je prends ça. Et sinon, des munitions, vous avez en stock? Ah, le secret du casier. Super. Ça commence déjà à être plein. Ok, j'ai bien compris qu'il fallait ouvrir la porte. Ah bah tiens. Alors, fais voir ça. On a déjà 85 pièces.
Mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je détestais ça. Manny, ne tombe jamais enceinte. Merci du conseil. J'améliore la stabilité. C'est mieux. Ah, l'autre, je sais pas plus. Ça coûte combien l'autre ? Un peu bizarre cette arme. 50. Ah ouais, c'est cher. Rafale de tir. Modifier la gâchette pour tirer des rafales de 3 coups. Ah, c'est pas mal ça. Lunettes x4. Ah ouais. Est-ce que j'améliore encore le pistolet ? Équiper votre arme d'un compensateur pour réduire son recul. Ouais, ça peut être bien quand même. On améliorera l'autre la prochaine fois. Voilà. Ah, là, il y a quelque chose. Encore des pièces, décidément. Ah, yes. On peut refaire une trousse de soins. Et en haut, il y a quoi ? Il y a un cadavre là-dedans ? Pilule. Yes, yes, yes. C'est bien, on trouve plein de choses. Ah. C'est fermé, mais est-ce qu'on peut y aller? Il n'y a pas un autre chemin? Je vois pas. Peut-être par en bas, je sais pas. En général, quand c'est fermé, il y a toujours un autre chemin, mais... Attends, réfléchissons. Pas monter là-dessus? Je t'ai pas dit de sauter, je t'ai dit de monter. On peut pas monter là-haut, sérieux? Non, non, je veux pas d'astuce. Bizarre ça. Ah. Non, tu vas pas monter là. Bon bah non, je vois pas. Hein. Ouais, tant pis. On va ouvrir la porte. Ok. Oula. Ça marche plus très bien ta porte. Hein. Ah bah bravo. Ça va ? Ouais. La poignée a lâché. On fait quoi du coup ? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas ! On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Ok. Ah bon ? Alors, t'es contente de faire partie du voyage ? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de ne pas avoir été là pour vous aider. Dis, pourquoi tu m'évites ? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça ? Je pense qu'il méritait pire, mais... Pire ? J'aurais préféré ne pas y être mêlé. Bah bon Dieu. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein ? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Mais sérieux, ça ? Comment ça, méritait pire ? T'as eu de balle à la tête ? Bang, bang, balle à la tête ! Hé, hey Mel. Je vais t'aider à grimper. Va voir s'il y a quelque chose là-bas. Alors ? Quand tu veux. Ok.
Allez, go. C'est bon. Ça donne quoi? Oui. Bon, tu bouges? Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ok, mais... vas-y doucement. Qu'est-ce qu'elle fout? Oula. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Elle est sérieuse, elle. T'as pas d'autres conneries à raconter? Oh, j'ai réussi. Je savais bien qu'on allait à Montero. Alors tu bouges, elle est où? Ah bah oui. Vas-y, grimpe. Merci. Elle a débloqué la porte. Bon, on s'en est un peu rapproché. Un peu. Ah. Ah, ça faisait longtemps ça. Ça me rappelle un système du 1 ça. Il n'avait pas eu dans le 2 pour l'instant. Placé. Ah, c'est cool de retrouver ce système. Hey, bien vu. Pas quelque chose dans le bateau? Si. Oula, oula, oh! Carrément quoi. David contre Goliath. Historique détaillé des mouvements de guérilla. Prof Anna Orlov. Parfait. Opération secrète. Une trousse de soins, carrément. Et là? Rien du tout. Ok. Bon bah parfait. Du coup, ça débloque quoi? Oh non! Ah, t'es sérieux, le retour des surins là? What? Confectionner deux surins permettant d'éliminer furtivement la plupart des ennemis. Ils peuvent également vous servir ou dégager de l'emprise un claqueur. Oh là là, le retour du surin. Je pensais pas y revoir ça. Bon bah go, 2 sur 1, voilà. Ok, ok. J'ai l'impression de revenir dans le 1 là. Tu veux faire quoi avec ça? Ah, la corde. Ouais. Où c'est que je la mets? Parce que là, le but c'est d'aller où? Là? Ah oui, il y a une échelle. Mais alors comment t'y vas? Bonne question. Oups. Il y avait un trou. Ah merde, t'as lâché la corde du coup. Là? Non, c'est trop court. Bah, j'en sais rien. Comment tu peux monter là-haut? Vous avez pas une astuce pour moi là? Si je fais ça, ça sert à rien du tout. J'avoue, je comprends pas là. Et maintenant, on a une porte. Non, porte sur la passerelle, carrément. Ouais, là j'avais besoin d'astuce, ça, j'ai pas compris. Hein. Okay. Ça me sert. Pourquoi pas? Et je vois pas l'utilité parce que tu vas comment là-bas? Hein. Tu m'expliques, hein? Tu veux vraiment sauter là?
Bon bah go. Ah non, elle veut pas. Eh, sérieux, je comprends R. À quoi ça sert de lancer la corde? Attends. Ne serait-ce pas ça qu'il faut utiliser? Pas évident celui-là. Hein. Vertige. Pousse-toi, s'il te plaît. Tu gênes. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Qu'à sauter. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dur que tu le penses. Oh, arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Ok, y a rien sur le toit. Non. Alice, c'est bien ma fille. Il était temps que vous vous reparliez. Allez, il paraît qu'il est brisé. Tranquille ici. Ouais, ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base. Putain. Y a de quoi fouiller encore. Pour rentrer, je vais me trouver un canapé. Mater un film et picoler jusqu'à plus soif. Tout ça. Hop. C'est toujours ça de prix. C'était mouvementé au début, mais là c'est plus calme. Vous avez vu, je fais triangle, ça marche pas. Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça s'appelle? Avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant? Enfin, si j'étais pas en cloque. Pas plus vite, s'il vous plaît. Il est en train de fuir. Allez, c'est moi courir, voilà. Y a rien par là? Non. Là-haut, il y a peut-être quelque chose. Y a rien là? Ah, quand même. Ça s'ouvre pas. Ça c'est fermé. Et ça. Ok, c'est tout fermé, super. Pas une vitre qui se casse là. Ah. Voilà. Ah, encore une pièce. Indiana. On va voir tous les pays bientôt.
intéressant. Martha, maintenant que la trêve est finie, c'est trop risqué de se voir ici. La zone va grouiller de Scar. J'ai déjà remballé toutes mes affaires, mais j'ai laissé tes armes en sécurité ici. Au cas où tu en aurais besoin en arrivant, je me suis dit que les Scars n'y toucheraient pas, vu que le coffre est très ancien monde. Bande de tarés. À bientôt et sois prudent, Paul. Le code est toujours le numéro gagnant. Ah, hein, il y a un coffre donc. Le numéro gagnant. Et c'est quoi le numéro gagnant? Déjà, faut trouver le coffre. Attends, parce que je peux crafter là. Qu'est-ce qu'on fait? Je refais ça ou je refais des surins? Je vais refaire les surins, c'est mieux. Ouais, je peux faire ça aussi. Voilà, comme ça on est plein. Oh, éteins-moi ça. Attends, c'est ça? C'est ça le numéro gagnant? Attends, parce que je vois rien. 17 38 07 17 38 07. C'est ce que je vois. Mais où est le coffre alors? Ça donne quoi? Il pourrait y avoir une planque d'armes dans le coin. Ah, ça, ça me plaît. Comment tu rentres là-dedans? Attends, il y a un problème là. Ah! Putain, j'avais pas vu. Ok. Putain, heureusement que je suis revenu en arrière. Alors, 17 38 07. 7 38 07. Yes. C'est parti. Nickel. Oh. C'est pas beau tout ça. C'est quoi? Et bizarre cette arme. Pistolet de chasse? Waouh! Cool! Bah heureusement qu'on l'a vu. Ah, une clé à molette. Pourquoi pas? Ah, voilà, les pilules. Quand même. Ciseaux. Attends, trousse de soins, je suis plein, je vais me soigner. Voilà. Ben voilà, on est au top. On est au top. 33 pilules. Attends, l'arme du coup. Je vais changer. Je vais reprendre mon petit péteux. C'est bon, on est paré. Quand j'aimerais bien avoir une bouteille parce que j'en ai plus. C'est pas vrai. Ok, on va suivre les rails. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. J'aime pas ça. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir le mur? Je n'ai pas l'impression. Bon, alors, direction la droite. Attention qu'il n'y ait pas... C'est quoi ça? Un bâton, on s'en fout. Attention qu'il n'y ait pas des choses qui se cachent sous les trains. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quoi là? Ah oui, pas con. Putain, je les avais pas eus. Chut, il y a des scars. S'ils viennent par là, prendre ça.
Ah, je suis plein en petit péteux là. Ah, il y en a un qui vient. Ou une plutôt. Ah merde, ils sont deux. On peut passer à gauche au pire. Hop 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 hop. Ah, ça va être compliqué ça. Allez, viens. Ça va mal tourner. Eh merde. C'est un peu beaucoup. À part siffler, vous savez faire quoi? Ils sont où? Ils nous ont perdus. Heureusement qu'ils sont un peu aveugles. Pourquoi tu bouges pas, toi? Merde! Trompé de touche. Quoi dans celui-là? Cette chance. Tu peux pas monter dedans? Allez, viens. Salut! Ils sont chiants à siffler comme ça. C'est vraiment des salauds, hein. Oh merde, ça pue. Je sais pas combien il reste. On avance. Allez, un peu d'action. Oh putain. Je vais me le faire. Je crois que t'es mort. Il est là-bas. Passer dans son dos. Coucou. Voilà. Il n'y en a plus, je crois. Ah si. Merde. Putain, ils sont combien, ça? Attends. Prends ça, s'il te plaît.
Oh oui. Tiens, encore tout ça? Oh la vache. Tu peux pas dépêcher s'il te plaît? C'est un peu long. Ils sont quand même beaucoup. Peut-être que j'ai rien oublié. Peut-être dans celui-là là. Je sais pas si j'ai fouillé celui-là. Ah. Vous voyez, j'ai bien fait. Il y avait des chips. Ils sont où ? Seul toi? Ok, l'autre il est là-bas. Hop. Heureusement l'autre il s'est pas tourné dans le bon sens. Prends la bouteille. Derrière nous, c'est bon. Hop, 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 hop. Il n'y en reste plus qu'un. Apparemment, oui. Tu veux pas venir par là, s'il te plaît? Oh merde. Et où? Et où l'autre? Allez viens. Monte ta tête. Putain, vous auriez pu le tuer quand même. Elle est où? T'es si conne que ça? Aïe aïe aïe. Heureusement que l'IA est un peu bête. Voilà. On est sorti d'affaire. C'est fini? J'en vois pas d'autres. Suivez-moi, on y va. Ils sont beaucoup ces scars là. Hey, en haut. Je sais même plus où c'est qu'on doit aller en fait. C'est quoi l'objectif? Bonne question. Quel est l'objectif de notre mission? Je suis un peu perdu. Par ici. Mortel. Ils sont chiants ces scars. 2, 3. Ils sont 3. 4. Ouf. 5, 6.
7! Non! C'est quoi ce bordel? Ils sont trop nombreux là. Je crois qu'il ne peut pas y avoir le choix là. Oh oui! Putain, la vache! Aïe aïe aïe! J'ai bien compris les balles! Y'en a trop! Ah, on vient nous aider. On se casse. Non. Ok. Fallait peut-être tirer en fait, je sais pas. Moi je pensais qu'il fallait se barrer tout de suite. Il me semblait bien que c'est... Oh merde, ça va? Ouais, je devrais nous sortir. Je te dis. Laisse-moi. Tout le monde tire, moi je me barre, tranquille. C'est bon. Bon, on fait quoi là? On rentre à la base? Au stade? Et là, ça va revenir sur Aurélie, tu vas voir. T'inquiète, on arrive bien. Ouvrez le portail. Laissez-les passer. Mel. Quoi? Ton dos. Serre aussi fort que possible, ok? On en a deux. Il a une blessure par balle, à la main. Hey. Tu t'en es bien sorti. On dirait un compliment. Cours te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Hé, hey, c'est qui cette beauté? Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Bon. Manny, attends. On a fini notre petite virée. Eh ben, on va s'arrêter là pour cette fois. Hein. Donc, on est bel et bien... On vit bien, bel et bien l'histoire du côté d'Abby à partir de maintenant. Cool, le jeu peut être méga long en fait. Hein. Je pense qu'on approchera la trentaine de vidéos. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour la suite.